Bonjour. Bonjour, il est 4h. Bonjour, il est 4h. La météo, il n'y a pas d'alerte du vent. Bonjour, bonjour. 4h. Ah, c'est un homme. Bonjour, qu'est-ce qu'il fout là? Bonjour. Il est 4h. Et ben voilà, c'est fini. Ouais, c'est tout ce que je voulais. Bon, ça me va bien comme interview. Si tu commences ça te va bien comme ça. Ça me va bien, ouais. Ça te correspond en fait. Ça me correspond en fait, oui. Que ça aille vite et, efficace. Efficace, voilà. Action, réaction. Pourquoi un jour tu t'es levé et tu as décidé de créer le rallye des gazelles? Alors, Paul, d'abord, je me suis pas levé, je suis sorti de ma douche. Et en sortant de ma douche, je me suis dit, je vais créer un événement pour les femmes qui permettent de mettre en avant les femmes là où elles ne sont pas attendues du tout. Je travaillais avec l'Union patronale de Haute-Marne sur la valorisation de la femme de l'entreprise. Donc tu n'étais pas du tout dans le monde automobile. Ils ont cherché une idée. Et je me suis rendu compte que dans le monde automobile, les femmes n'étaient pas représentées. Il n'y avait personne. Et quand on m'a demandé de trouver cette idée pour valoriser les femmes, je me suis dit, on va faire un challenge inter-entreprise. Et ce challenge inter-entreprise, on va le faire en voiture. Et on va mettre les femmes dans des situations sur lesquelles elles ne sont pas attendues du tout. Et c'est parti comme ça. Ça a démarré avec 9 voitures et 9 entreprises de Haute-Marne qui ont mis dans chaque voiture des salariés. Et on a fait ce challenge, cette compétition. Ça, c'était la première année. C'était des petits 4x4, des Lada, des... on appellerait aujourd'hui des petits Taf-Taf. Donc c'est vraiment la naissance des petits 4x4. Je suis allée rencontrer les autorités marocaines et on m'a gentiment dit que mes femmes et moi-même étions les bienvenues sur ce sol marocain pour faire ce challenge inter-entreprise. Je suis vraiment partie avec cette idée que ça pouvait se faire, bien ça pouvait se réaliser, que ça devenait quelque chose qui était pour moi important de mettre les femmes en avant. Et sans être facile, c'est vrai que sans chercher la facilité avec cet événement, je ne me suis pas du tout rendu compte de ce qui m'attendait. Alors, l'automobile m'a rejetée tout de suite, et le monde automobile. Le monde sportif automobile, puisque je ne voulais pas de vitesse dans l'événement. Parce que femme au volant, me retournant, et puis femme dans l'automobile, ça n'a rien à voir. Les féminines et les féministes m'ont rejetée, parce que l'automobile ne va pas du tout avec la femme, et c'était deux mondes totalement antinomiques. Il y a 28 ans, c'était bizarre. C'est toujours pareil aujourd'hui, hein. On n'a pas beaucoup changé, on n'a pas beaucoup évolué. Le Maroc, il reste le Maroc. Le Maroc, terre d'accueil du gazelle, extraordinaire terre d'accueil. Le roi Mohamed VI qui parraine l'événement, qui fait en sorte que le rallye se passe bien, c'est son haut patronage. Et toujours cette fierté des Marocains envers les gazelles et envers ces femmes qui viennent dans leur pays. Aujourd'hui, nous voyons l'intuition féminine, l'intelligence, le bon sens, justement au service de ces grandes causes et l'industrie, la compétition aussi à la réflexion, à la lucidité, à la part que l'on peut prendre sur le respect de la planète, le respect de l'humain. Eh bien, que ce soit des femmes qui en soient à l'initiative, je crois que c'est aussi un beau signal pour une société qui se cherche et qui a besoin de plus de solidarité. Donc il est toujours 5h aujourd'hui ici. Je vous souhaite une très belle étape marathon. Amusez-vous bien. J'ai évolué dans ma dimension féministe d'homme. Et j'aime bien dire cette phrase qui est un peu mon motto. C'est une phrase de Taha Hussein, un grand écrivain égyptien, qui disait « Seules des femmes émancipées donneront des générations d'hommes libres ». Coucou. Alors le gars, il va super bien, tu t'en viens. Tu vas bien dormir, je te réveille pas demain matin, t'es cool. Bonne étape marathon. Merci. Profitez. Ouais, vous aussi. Oh, je vais dormir, vous n'êtes pas là. La démarche est féministe ou pas? Je ne pense pas être une féministe pure et dure. Oui, il y a de toute façon chez moi un côté féministe parce que j'aime les femmes, je crois dans le pouvoir des femmes, je crois en leur courage, toutes les valeurs qu'elles transportent. 96% des décisions du monde jusqu'à présent ont été prises par des hommes. 96% des richesses du monde sont dans les mains des hommes. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment d'actualité qu'une planète, pour sortir des gros challenges qu'elle a besoin de fonctionner avec la totalité de sa matière grise. Et les femmes, qui représentent 49% de l'humanité, devraient vraiment contribuer à la décision. Quelle est la personne qui a cru en ça, c'est-à-dire qui a fait en sorte que le rallye a pu partir avec 9 participantes? Alors, au tout début, d'abord, quand j'ai eu 9 participantes, c'est la seule fois où j'ai gagné de l'argent sur les 10 années à venir, suivantes. Bon, voilà. Et après, ça a été une véritable galère. Ça a été vraiment la galère financière. Et le fait, effectivement, que pendant 6 ans, je n'ai pas eu de partenaire. Il y a eu un Marocain, un PDG de société. Il nous a téléphoné. J'étais avec Patricia Collaro à cette époque-là, qui m'aidait aussi sur le rallye et qui avait investi dans mon événement. Alors, la première fois que j'ai entendu parler du rallye Aïcha des Gazelles, c'était lorsque Dominique avait fait ses premières éditions au Maroc. Et puis, lorsque je voyais les départs, je me disais quand même, ce rallye, c'est fait pour moi. C'est un rallye de femmes. Moi, dans mon entreprise, je m'adresse beaucoup aux femmes. Donc, je me suis dit, ce serait pas mal que je me rapproche de Dominique. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Bon voilà, moi je veux être partenaire, mais je vous préviens, ma marque c'est Aïcha, et Aïcha dans le contexte d'aujourd'hui, ça risque, et on était donc en 98, ça risque de pas vous arranger. Mais ça commence par A, et le A, chez moi, ça porte bonheur. » Et on a discuté avec lui, on est resté on a déjeuné, on est resté un moment avec lui, et on a rencontré un homme ouvert, un homme qui vraiment était passionné, un homme qui y croyait. Et on lui a dit oui, ok, vous allez être partenaire. Et il est partenaire titre depuis 98. C'est le rallye Aïcha des Gazelles. Donc ça a été aussi une rencontre extraordinaire. Et puis on a eu des partenaires qui sont restés avec nous très fidèles. 18 ans, 12 ans, il y a eu Total, 18 ans, La Poste, 12 ans. On a eu entre 5 et 600 candidates. Donc vous imaginez que 5 ou 600 candidats, c'est pas si facile que ça à gérer. Pour, au bout du compte, en retenir 12. Ça fait quand même 5000 postières qui ont participé à l'aventure des gazelles. Et si on pense que chaque postière en parle à 10 ou 20 personnes autour d'elle, ça fait 50 000 à 100 000 personnes, notamment postières, c'est-à-dire pratiquement toutes les postières, qui, d'une manière ou d'une autre, étaient associées à ce rallye. 100% des gazelles ont gagné. Bonne journée. Tu penses que c'était une bataille parce que c'était un rallye féminin avec des femmes, ou tu penses que c'était une bataille parce que c'était du rallye raid? C'était une bataille parce que c'était des femmes. Et c'est toujours une bataille parce que ce sont des femmes. Bien sûr, quand on arrive dans une entreprise masculine, on arrive avec notre joli sourire, eh bien la plupart nous accueillent en nous disant « Ouais, oh, on va pas vous donner d'argent pour aller vous amuser dans le désert quand même ». C'est démoralisant, même si ça fait partie du jeu. On me disait « c'est sympathique ». Dès que la personne avait commencé à me dire « c'est sympathique », je savais que c'était foutu, que je pouvais lui présenter quoi que ce soit, ça ne fonctionnerait pas. Franchement, j'ai souffert de manque de crédibilité, très honnêtement, dans la présentation de cet événement et dans le fait que cet événement pouvait être un vecteur de communication, un événement porteur de valeurs, qui défendait vraiment des valeurs. Et ça, ça a été compliqué. Il est assez rare que ce soit les hommes qui cherchent à mettre l'éclairage sur les femmes. Ce sont plutôt les femmes qui mettent l'éclairage sur elles-mêmes. Puis la question qu'on me posait souvent, c'était « est-ce que vous êtes lesbienne ?» Parce que je défendais la cause des femmes et je montais un événement féminin. Et je répondais très poliment, quelquefois d'une façon agressive à certains journalistes, que je ne pensais pas qu'il fallait être pédé pour faire le Dakar. Tu vois, c'était ma défense. C'est véritablement ce milieu féminin qui n'est pas pris au sérieux. J'ai eu beaucoup de mal à imposer cette manifestation, à la crédibiliser. Je l'ai crédibilisée dans des milieux politiques, dans des milieux économiques, absolument pas dans le milieu sportif, par exemple. Des femmes qui vont galérer dans le sable, qui vont conduire une automobile, eh bien, ça parle pas à des marques pour la sponsoriser. Même aujourd'hui, tu penses sincèrement que s'il y avait eu de la vitesse, si ça avait été une compétition automobile pure et dure, ça aurait été plus facile? Je pense que si j'avais été du monde de l'automobile, avec un nom, j'aurais peut-être pu me faire entendre différemment. Je pense pas que le fait qu'il y ait de la vitesse ou pas... moi, je suis très fière qu'il n'y ait pas de vitesse, parce que les femmes n'aiment pas la vitesse. Et si j'avais, je pense, créé un événement avec de la vitesse, j'aurais eu peu de femmes qui viennent. En plus, il fallait ouvrir cet événement à toutes les femmes, parce que les femmes dans la compétition automobile, il y en a peu. Donc j'aurais eu très peu de participantes. Et c'est pas ce qui m'intéressait. C'est maintenant qu'on est à la mode, sans la vitesse. C'est un rallye très exceptionnel, puisqu'il ne s'agit pas d'aller vite. Il s'agit de faire le moins de kilomètres possible en étant le plus respectueux de l'environnement. C'est tout à fait inhabituel et c'est en plus réservé aux femmes. Je pense que j'ai ouvert il y a 28 ans ce marché et cette piste de femmes. Les femmes font des trails, il y a des trails que pour les femmes, il y a des... ce sont des événements, quand je dis ces événements-là... Que féminin. Mais il y a 28 ans, il n'y en avait pas des événements que féminins. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Comment ta famille a réagi? Comme je faisais vivre à ma fille quelque chose qui était très compliqué, c'est-à-dire dans la galère et puis dans tous les tracas et tous les soucis que me posait la mise en place de cet événement, auquel moi je croyais dur comme fer, moi j'ai mon banquier, tu sais, je dormais, le seul jour où je dormais bien, c'était dimanche soir, dimanche dans la nuit, parce que lundi la banque était fermée. Tu t'entêtes en disant oui, ça va marcher, je sais que c'est une bonne idée et je veux aller jusqu'au bout. Donc ma fille, quand elle a 18 ans, elle m'a dit écoute, moi je serai jamais chef d'entreprise, et puis je vais aller faire autre chose, je veux absolument pas, je veux pas entendre parler de ton gazelle. Elle est partie chercher du travail ailleurs, elle est devenue fonctionnaire, fonction publique. Et quelques années après, les chiens ne faisant pas des chats, ma fille s'est révélée un chef d'entreprise extraordinaire et elle est venue travailler avec moi et je crois qu'elle est engagée dans le gazelle encore plus que je le suis. Tu vas créer Cœur de Gazelle? Alors c'est ma fille qui en est la présidente, c'est ma fille qui le manage d'une main de maître et je pense que c'est ça aussi, la mère et la fille qui avancent dans le même sens avec l'événement et c'est important. On est où là? Alors là, on est sur un village qui s'appelle Tisserdimine. On est venu puisqu'on est en marge du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Et ici, c'est un village où on repasse chaque année parce que les populations sont très demandeuses des soins gratuits que nous dispensons. Et on couvre, vous allez le voir, plusieurs spécialités, de nombreuses spécialités. Comme la gynécologie, la pédiatrie, la médecine généraliste, l'optique, le dentaire. Donc les personnes ici qui sont à la fois du village de Tisserdimine mais aussi dans des régions reculées viennent jusqu'à ici pour avoir ces consultations médicales. Et aujourd'hui, on est à peu près sur 1000 personnes qui se sont déplacées. On y va? On y va. Il y a un service d'accueil et d'orientation des patients. C'est des infirmiers en fait qui orientent les patients en fonction des spécialités et de leur pathologie. Et ensuite, ils rentrent dans un parcours de soins. Là, par exemple, on va aller à l'optique. Ce qui se passe, l'optique, avec Atol les opticiens, c'est des verres qui sont taillés au CRIP de Montpellier, c'est-à-dire c'est une école d'opticiens. Et toute l'année, ils travaillent sur le projet de Cœur de Gazelle pour tailler ces verres. Et ensuite, on a donc des montures qui sont fabriquées, des montures Cœur de Gazelle, des montures rondes, qui sont à la fois adaptées aux enfants ou aux adultes. Et on a deux autoréfracteurs. Et ces autoréfracteurs nous permettent de donc faire des consultations optiques formidables et d'avoir une affectation de lunettes. Donc je vais te montrer... On va pas trop les déranger, mais... Bah, on peut rentrer quand même, c'est important, tu vois. D'accord. Abiba est ophtalmologue et elle dépiste surtout des cataractes. Cataractes que nous allons opérer ensuite dans 3 à 6 mois avec le ministère de la Santé marocain. Donc c'est-à-dire que des minibus de Cœur de Gazelle vont revenir chercher les gens pour aller les opérer sur l'hôpital des Rachidia. Voilà, donc il y a vraiment en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant hein, ici. Hein. C'est à la fois, on ressort avec une paire de lunettes adaptées à sa vue, une paire de solaires, et puis si on a besoin d'avoir une opération chirurgicale, ben, c'est pris en charge par Cœur de Gazelle. Et ensuite, on a donc une partie dentaire avec 4 dentistes qui se relaient et qui font beaucoup de soins d'extraction dentaire. Elle veut qu'on l'enlève ? Mais aussi quelques composites et quelques soins de caries. On y arrive tout doucement, puisqu'aussi on a un très très gros volet de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire. Avec la distribution, on distribue à peu près plus de 2000 brosses à dents sur les 8 jours. Hicham nous a rejoint dans l'équipe il y a 3 ans. Il a un cabinet à Casablanca et il fait soin bénévolement depuis 3 ans. Une équipe motivée parce que soigner dans ces conditions, c'est quand même compliqué. Des fois, les personnes attendent une année pour avoir ce soin-là gratuit parce que les soins dentaires aussi au Maroc sont assez coûteux. Donc c'est vraiment, c'est pas du luxe en fait pour les personnes. Marina, pourquoi il y a toutes ces bouteilles en plastique? En fait, on a décidé de recycler les bouteilles consommées pendant le rallye Aïcha des Gazelles. Donc tout simplement, il y a 26 000 bouteilles consommées tous les ans. Il y a eu l'idée de construire des maisons à base de ces bouteilles. Et exclusivement avec donc les matériaux locaux, c'est une espèce de terre avec de la paille et c'est pour le colmatage. Le plastique, ça a une durée de vie de 450 ans. C'est un matériau très solide, super isolant parce que les bouteilles font 45 cm. Par contre, cette maison a été uniquement construite en bouteilles plastiques. Et à l'intérieur, il y a les bouteilles en plastique. Exactement, il y a les bouteilles en plastique. Et ça permet d'avoir vraiment... Ça évite surtout de créer de la matière, c'est-à-dire des briques avec de l'eau, etc. Donc, bah, on fait du recyclage. Elles sont recyclées pour le bénéfice des populations. Et c'est voilà, ça fait partie des idées innovantes qui accompagnent le Cœur de Gazelle et le rallye des Gazelles. Donc et là, ils font des consultations de, je vois qu'il y a marqué diabète. Alors oui, là, ici, il y a des consultations de diabète. C'est la maladie fléau au Maroc. Donc, obligatoirement, toutes les femmes et les hommes de plus de 45 ans passent un dépistage du diabète. Et on a aussi une femme qui est formidable, qui s'appelle Noura, qui est infirmière. On décide, avec Cœur de Gazelle, de suivre les patients, certains patients qui ont besoin, à l'année. Elle l'appellera 24 heures avant pour être sûre qu'il y va. Et elle fera son suivi. cet aspect de caravane médicale qui traverse le désert, accompagnée par des médecins marocains qui, après le passage du rallye, vont suivre les cas difficiles qu'ils ont pu rencontrer. Ça, c'est une action extrêmement positive. Et chaque année, c'est la même chose. Et tant qu'on n'arrive pas au bout du processus, on s'acharne et on continue. Oui. Hein, c'est ça? C'est pas toujours facile, mais on y arrive. Ils attendent quoi? Alors, ils ont pu avoir une consultation médicale et maintenant ils peuvent passer aux dons. C'est uniquement quand ils ont fait la consultation médicale qu'ils peuvent avoir des dons. Donc, c'est toujours en fin de journée. Ce sont des dons qui ont été remis à Nice par les gazelles lors du village départ, qui ont été convoyés ici. Donc, ce sont les participants. C'est tout à fait ça. Les participantes ont répondu à l'appel et ont pu et ont amené, le jour du village départ à Nice, elles ont amené entre 1 et 2 mètres cubes dans leur véhicule. Elles nous l'ont remis à Nice, on l'a trié et voilà, c'est le résultat aujourd'hui. Les familles sont donc répertoriées avec l'âge des enfants, etc. Et on donne des dons adaptés à chaque âge avec des jouets, des produits d'hygiène et surtout très important. Cœur de Gazelle est engagé depuis 7 ans maintenant pour l'éradication des mikakala, ces sacs noirs en plastique qui polluent le désert. Et donc on leur donne une alternative. Dans chaque don, il y a des sacs en coton qui sont lavables et qui se dégradent dans 1 à 3 ans et qui se permettent vraiment de répondre à un besoin ici aussi de l'alternative du sac en plastique pour les faire passer du jetable au durable. On n'est pas là pour donner, on est là pour répondre à une demande d'aide des populations sur des soins et ensuite on va donner des choses, des vêtements, des jouets, mais juste sur le final. Ça fait combien d'années? Ça fait 16 ans. 16 ans. Ça fait 16 ans que la caravane médicale existe et ça fait à peu près 5 ans, on a renforcé l'équipe sur l'ensemble des spécialités. Qu'un chirurgien pédiatre qui est présent si on a besoin de faire des petites interventions chirurgicales. Une nouvelle spécialité de cette année, c'est la dermatologie. 2 gynécologues et 2 sages-femmes qui nous permettent qui ont un échographe aussi mobile. Les 2 narines, elles bougent. هذه فسينة هذا التيزم الشيك ثاني تفسين مشينا غير مشينا غير مشينا تبارك الله عليك يلا مشينا يلا عاون عاون انا صحابكم عشان زبرامو هاتي هاتي C'est une fille, c'est une gazelle. C'est une gazelle. Oh, c'est beau, c'est beau. Il ne faut pas comprendre qu'on est venu avec les médecins, avec les gynécos, on s'installe à côté. On s'installe 5 ou 6 km. Oui, même il n'est pas comprendre. Il vient pas comprendre. C'était émouvant. Et puis, non, mais j'ai pas de mots. En fait, là, c'est formidable. C'est formidable. Savoir qu'on a. On a fait notre premier accouchement sur Cœur de Gazelle après 16 ans. C'est. Cette soirée, elle sera gravée à jamais, je crois. En nous, quoi. On va rallier le bivouac, on va aller essayer de faire un petit peu la fête avec tout le monde et on va leur annoncer surtout la bonne nouvelle parce qu'ils doivent attendre de l'autre côté à 10 km. Ils doivent attendre de savoir si ça s'est bien passé et comment s'appelle l'enfant. Donc je vais laisser les gynécologues leur annoncer. Merci. Cœur de Gazelle, c'est aussi un élément indispensable, indissociable du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. C'est pas moi qui l'ai créé au départ, c'est 2 femmes, 2 gazelles, 2 anciennes gazelles qui sont venues me voir un jour en me disant, tu sais, on a fait le rallye et tout, et il y a peut-être des choses à faire. Est-ce que tu peux nous aider? Comment on peut s'inscrire là-dedans? J'ai dit tout de suite, il dit oui, et on va le faire. On n'a pas d'argent, mais on va y arriver. Je pense que Cœur de Gazelle, comme d'autres, hein, fait du social, le fait avec beaucoup de générosité, beaucoup d'efficacité, dans la discrétion, et ça c'est bien. pourquoi tu n'as pas fait une mixité, justement? Tu t'es dit que les femmes, tu n'as pas cherché à mélanger. Je peux pas. Ça aurait été plus simple, tu aurais peut-être eu plus d'équipage tout de suite. Tout à fait, simplement on n'aurait pas parlé des femmes, on n'aurait parlé que des hommes. Et moi ce que je voulais c'est qu'on parle des femmes, et je voulais vraiment mettre les femmes en avant dans cet événement. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'avoir que des femmes, c'était un vrai bonheur. Un vrai bonheur à travers leur manière de se comporter sur le terrain, et dès que tu y mêles des hommes, le comportement des uns et des uns change, parce qu'il y a un phénomène de séduction, parce qu'il y a un phénomène d'attraction différente. Et donc, le fait d'avoir que des femmes permettait vraiment de défendre que les femmes. Comment tu passes de 9 équipages à aujourd'hui plus de 180 équipages qui participent au rallye Aïcha des Gazelles? Ça a été compliqué jusqu'en 2000, 2002, 2003. Et après, ça a commencé à grandir avec l'avènement d'Internet, les réseaux sociaux aussi, passer à l'international. Le fait d'avoir autant d'équipages, c'est Internet. Et puis après, c'est le travail aussi. Hein. C'est le travail, c'est le commercial. Et c'est le fait d'être reconnu aussi. Et effectivement, d'avoir des milliers de femmes par an qui veulent participer à l'événement. Quelle est la participante qui vient et qui s'inscrit au rallye des Gazelles? Alors ce sont des femmes entre 20 et 75 ans. Depuis que je suis toute petite, j'en rêve. Un rêve de petite fille. Et j'ai vu que c'était possible pour une petite nana comme moi d'être là aujourd'hui. Ce sont des femmes de toute nationalité, de tout milieu socio-professionnel. Beaucoup d'envie de se confronter à elles-mêmes. Elles ont envie de vivre autre chose. Elles ont envie de sortir du quotidien. Elles ont envie de se prouver entre amis, avec une fille, avec une mère, qu'elles peuvent vivre une aventure différente. Et puis elles ont toutes une même constante et une même qualité chez moi, un grain de folie. Elles le regrettent une fois qu'elles ont participé? Jamais. Jamais le regret. Jamais le regret, toujours le bonheur et la joie. Et ça, c'est très féminin, parce qu'une femme est différente d'un homme. Une femme, quand elle s'engage, elle va démarrer son engagement, elle va y aller à fond. Les femmes savent faire beaucoup de choses à la fois. C'est le propre des femmes de mener plusieurs missions, plusieurs tâches à la fois. Et je pense qu'en ce sens-là, pour ce type de rallye, elles sont avantagées. Elle va vivre une aventure qui est très exigeante, qui va la rendre, qui va l'ouvrir à tout ce dont elle rêvait, dont elle imaginait même pas être capable. Et puis l'arrivée, c'est le bonheur, c'est la joie. Quelquefois, c'est la souffrance, parce que il y a aussi ça. Hein, y a des femmes qui aussi sont dans la souffrance. Allez, on va se débrouiller. On va se débrouiller, je vais l'ouvrir. J'ai qu'on n'en sortirait jamais. T'as mangé? Non, pas. Oui, si, elle a mangé. Alors, tout va bien? Ouais, non. Merci beaucoup, les filles. Mais après, il n'y a pas le regret. Il y a je l'ai fait, j'y suis arrivée. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça leur apporte, c'est un déclencheur. Et ça leur apporte des choses extraordinaires. D'arriver à la première place sur le podium, c'est grisant. Mais je peux vous assurer que ce qui est très important, et pour l'avoir vécu, c'est d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Parce qu'il faut arriver jusqu'au bout. Après le rallye, ce sont les mêmes ou pas? Non, jamais. Ce ne sont pas les mêmes. Et elles le disent elles-mêmes. Et ce n'est pas un argument marketing. Elles changent. Elles changent de façon d'envisager leur propre vie perso. Mais il y a aussi le fait que le regard des autres change. Ce qui va aussi... leur permettre de réaliser plein de rêves peut-être qu'elles avaient. Ça va peut-être aussi faire tomber les barrières. Les maris changent de regard sur les femmes. Les enfants changent de regard sur leur mère. Les pères changent de regard sur leurs filles. Et ça, je trouve que c'est très important. J'ai retrouvé des valeurs que je n'avais plus. Et ça, je le garderai en mémoire. Mais c'est aussi des femmes elles-mêmes qui ont... qui ne se croient pas capables. Autant les hommes se croient capables de tout faire, même s'ils ne le sont pas. À l'inverse, les femmes, souvent, s'estiment inférieures à ce qu'ils sont capables de faire et sont timides. J'ai vu souvent des hommes venir réclamer des responsabilités et des femmes hésiter quand on voulait leur en confier. J'imagine que ça doit être difficile pour elles, parce que si pour toi c'était difficile de trouver de l'argent pour organiser le rallye, elles ont dû avoir le même refus. Ah, le même refus, bien sûr. Puis la question idiote, c'était « Mais vous allez faire quoi de vos enfants et votre mari pendant 10 jours ?» Comme si, là encore, on demandait à un homme qui veut partir vivre une aventure « Qu'est-ce que tu vas faire de ta femme et de tes gosses ?» La question ne se pose jamais. Mais là, c'était à l'inverse. Donc oui, il y en a qui ont vraiment essuyé des refus. Ça existe encore maintenant. C'est difficile aussi de se positionner dans une entreprise pour dire « Je veux vivre ça ». On essaye en tout cas qu'il y ait un semblant de parité à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un semblant de parité chez les ministres, la même chose, les femmes chefs d'entreprise. Donc tout ça a évolué quand même. Tu parles bien, tu dis faire semblant. Moi, j'ai pas vu vraiment d'évolution majeure. Maintenant, je pense que on n'y est pas encore. Enfin, on n'a pas encore cette égalité dans le sport. En tout cas, sur la partie médiatique, hein. On n'a pas cette égalité. Et on a encore du travail et du chemin à faire. Alors, j'espère qu'avec ce qui se passe actuellement, effectivement, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que ça va continuer? J'espère que les femmes auront vraiment leur place dans le sport et dans la crédibilité sportive. Je pense que sur des sports qu'on dit nobles, le tennis, le golf, la voile, les femmes ont un peu plus de visibilité. Maintenant, pour d'autres sports, c'est encore très, très compliqué. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui, elles, t'ont aidé aussi à un moment donné? Alors, la première année, c'est les Danielle Evenoux qui étaient venues faire le rallye et qui étaient emballées par l'événement. Je me souviens de Danielle disant à Georges Filiou, qui était ministre, à son mari, « Tu sais, c'est un rallye socialiste, on a toutes les mêmes voitures. » Ça, c'est le côté Danielle que j'adore. Mais si on veut arriver. Parce que quand on dit route, on veut dire notre route. Aucune de nous ne fera la même chose. C'est ça qui est assez fantastique dans ce rallye. C'est qu'on trace chacune notre voie, loin des villages, loin des pistes. Surtout moi, parce que j'ai horreur des pistes et j'aime aller droit au cap. Ce qui la rend malade. Parce que quelquefois, elle me dit, il y a une montagne, t'inquiète pas. Alors on sort sans arrêt pour ne pas perdre son cap. Mais j'aime ça, parce que moi j'aime les dunes, j'aime l'herbe à chameau, j'aime quand ça bouge, j'aime quand je suis en danger. Il y a eu une femme, bien sûr, qui m'a beaucoup aidée et qui a aidé à la crédibilité de l'événement, c'est Christine Lagarde. Et je pense que ça a été pour moi aussi très important, parce que ça m'a donné aussi un peu plus de confiance en moi et dans l'événement. In 2009, Dominique said, couldn't you possibly be the godmother of the rally in 2009? And I said, yes, I will. And in 2010, she said, could you do it again? And I said, yes, I will. And you know what she's like. 4 o'clock in the morning for you? Well, 2011, she came again and said, could you do it again? So I'm a long-standing godmother of the rally. Alors, il y a eu d'autres femmes. Alors là, financièrement, c'est Mouna Ayoub, à travers le fait que quand les tours du 11 septembre, enfin le 11 septembre sont tombés, j'avais Nokia et Colgate qui m'avaient donné leur accord pour être partenaire. Et puis, se sont désistés. Et moi, entre-temps, j'avais déjà investi une grande soirée au Théâtre Marigny pour présenter l'événement. Le lendemain matin, des briefings avec les équipes. Puis je fais le constat qu'il manque 1 million de francs et que je ne sais pas où je vais les trouver et que ça va être la fin du rallye. Puis le téléphone sonne, j'entends « Bonjour, c'est Mouna, ma sœur veut faire le rallye, vous pouvez m'envoyer un dossier ?» Je dis « Oui, où ?»« Georges V. » Puis elle me dit « Au niveau des partenaires, vous en êtes où ?» Je dis « Il me manque 1 million de francs. » Mais comme ça, il me manque 1 million de francs. Puis j'entends au bout du fil « Vous les avez, vous les voulez en chèque ou en espèces ?» Je croyais que quelqu'un me faisait une blague et ce n'était pas une blague. Et voilà, donc tu vois, j'ai eu toutes sortes d'aides totalement différentes et je crois qu'il y a une bonne étoile au-dessus de cet événement. plaisir. Ensuite, j'ai eu le privilège de rencontrer Dominique Serra et de mesurer tout l'engagement qui était le sien et qui est le sien, et également la dimension qu'elle a su donner à ce rallye Aïcha des Gazelles, qui n'est plus seulement une épreuve sportive, qui est un exercice philanthropique. J'ai aussi une espèce d'intuition, on peut appeler ça de la chance, on peut appeler ça un ange gardien, on peut appeler ça, je sais pas, j'avance. Et il y a quelque chose de très féminin, c'est l'anticipation. Tu sais, c'est les femmes, on anticipe. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que j'anticipe pour aller plus loin. Donc peut-être que c'est ça. Quand je disais un grain de folie pour les participantes, c'est un grain de folie aussi pour moi, de toute manière. Ça aide, mais je crois qu'on peut rien faire si on n'ose pas. Et oser, c'est aussi avancer. Pour moi, c'est ça. Bruno Solo, c'est le premier qui s'engage véritablement sur Cœur de Gazelle, ou il y en a eu d'autres? Non, il y a eu d'autres personnes. Bruno l'a fait pendant 3 ans. Il est toujours à nos côtés en plus, parce que dès que j'ai besoin de lui, il répond présent. André Manoukian aussi, qui est venu sur Cœur de Gazelle. Tu as Adriana Karembeu, qui a fait le rallye pendant 3 ans, qui a aussi apporté beaucoup de notoriété aux Gazelles. C'est vrai que dans l'esprit des gens, il y avait Adriana Karembeu et Adriana l'a fait. Je pense qu'elle a eu le courage quand même de venir faire cet événement, parce que beaucoup d'autres femmes qui sont connues ne veulent pas le faire par peur de perdre de l'image. C'est 150, 180, 116, 117. Eh bien, 4 de plus. On est 17. Eh bien, alors, je suis 160. Sur le... Ah, peut-être. Ah, peut-être. Attends, bouge pas. Les autres femmes arrivent à s'identifier aussi. J'ai découvert Adriana dans le sens où elle n'a jamais fait de caprice sur mon événement. Elle a participé, comme toutes les autres participantes sur cet événement. Je vais te donner une anecdote. Une nuit, et donc j'avais fait racheter plein de couvertures pour les participantes, parce qu'il y en avait quand même il faisait froid. Et tout d'un coup, il y a une participante... qui dit dans une tente bon ben je suis sûre que c'est pas Adriana Karembeu qui serait là au froid, elle doit être à l'hôtel. Et la tante à côté a répondu mais Adriana Karembeu elle est là comme toi, elle est en train de se peler de la même manière que toi, tu vois. C'est cette simplicité que j'aime bien chez Adriana. Il y a d'autres femmes, hein, tu as des Miss France qui sont venues comme Cindy Fab, comme Valérie Beg, comme qui sont venues faire le rallye. Tu as effectivement Carole Montillet qui est venu participer, qui continue à participer. Quand on a vu tout le monde partir effectivement dans le sens logique, on a dit on va le faire à l'envers. Voilà. Il y a eu une montagne infranchissable, donc on a fait beaucoup de détours en fait. Donc on a finalement perdu 2 kilomètres dans l'histoire. Il y en a eu quelques-unes d'autres de sportifs qui sont venus sur l'événement et qui ont fait des allers-retours et qui sont venus s'essayer à ce type d'épreuve. On a, depuis 3 ans maintenant, mis en place la catégorie experte. La catégorie experte, c'est toutes ces femmes qui reviennent d'année en année, qui deviennent de plus en plus aguerries et qui recherchent effectivement plus de performances dans la navigation. Je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les participantes du Gazelle, parce que ce qu'elles réalisent, c'est assez extraordinaire. On les lève à 4 h du matin, elles partent à 6 h, elles ont juste une carte et une boussole, elles sont en hors-piste, elles n'ont pas de GPS, elles n'ont pas de téléphone, elles n'ont rien. C'est juste elles qui font la différence. On utilise notre boussole pour trouver notre chemin. Et on essaye de partir au cap, parce que le cap, c'est forcément une distance plus courte. Mais des fois, il met une montagne au milieu qui est infranchissable. Et là, il faut calculer sur la carte si c'est plus court, de passer par la droite, de passer par la gauche, de grimper au-dessus. Et là, ça, c'est la stratégie de la course. Avec des points de passage obligatoires, et il faut les faire, il faut arriver à pointer ces contrôles de passage en faisant le moins de kilomètres possible. Toute cette difficulté de l'événement, ce concept de l'événement, on revient à un événement exigeant, un événement difficile, un vrai événement sportif. À côté de ça, ça reste des femmes. À côté de ça, ça reste presque des amis, des femmes avec lesquelles on crée un lien. Moi, je ne sais pas... créer du lien avec les gens juste dans ce que je leur demande. Je leur demande d'extraire d'elles-mêmes tout ce qu'elles ont au fond d'elles-mêmes, ce qui est difficile. Ça pleure, ça se décourage. Eh bien, c'est ma manière à moi, c'est pas la récompense, mais de dire, voilà, vous avez... je vous en ai fait baver, je sais combien c'est dur. C'est important pour toi de garder toutes ces gazelles? C'est une responsabilité, tu sais, Paul. Ce sont des femmes qui sont des mères de famille. Ma responsabilité à moi, c'est que rien ne se passe de grave et qu'elles sachent aussi qu'on est tout le temps là, toujours autour d'elles, qu'on veille au bon fonctionnement de la course, mais sur elles aussi. Donc c'est pour ça qu'on a ce système Eritrac qui nous permet tout le temps de savoir où elles sont. Le Maroc est un pays sûr. 28 ans de Maroc, 28 ans de femmes qui ont dormi et qui dorment toujours toutes seules dans le désert. C'est quand même pas rien. Et en toute sécurité. Mais je veux leur faire savoir, effectivement, le matin, il y a tant d'équipages qui sont rentrés, il y a tant d'équipages qui sont dehors. On sait où elles sont, on sait ce qui se passe et elles vont arriver. Je voudrais lui rendre hommage parce qu'elle a inscrit dans le paysage, dans l'agenda, c'est pas le paysage, l'agenda international, le trophée des gazelles. Et ça, c'est formidable. Et ça se passe au Maroc. C'est au Maroc que ce trophée a lieu. Toi, tu fais passer toutes les concurrentes, les unes après les autres, sur le podium. C'est de plus en plus difficile vu le nombre. Donc on est par 12 par 12, mais elles montent toutes sur le podium, elles reçoivent toutes leurs trophées. Et oui, parce que là, c'est pareil. Elles ont toutes participé à cet événement. Elles en sortent victorieuses. De quel classement elles ont, c'est pas le problème. Elles l'ont fait. Donc elles ont le droit de monter sur le podium. ISO 14001, où tu es le seul rallye à faire ça. Oui. Donc je crois que tu recycles en tout cas tous les déchets. Alors, on est en norme ISO depuis 10 ans maintenant. On est le seul rallye raid à être norme ISO. On a mis en place une démarche environnementale qui est très poussée. On a un incinérateur avec nous et on brûle tous nos déchets. On fait en sorte que l'ensemble de la caravane, les participants, les journalistes, les organisateurs, trient leurs déchets sur le bivouac pour pouvoir bien recycler et amener dans les filières où il faut. It's an extraordinary experience that she dreamt of 26 years ago and that she built with a group of other women from all over the world in the last 26 years to actually be a pioneer in something that everybody now considers as the latest fad of the day. To be environmentally conscious. Well, she started that 26 years ago. On est certifié par Veritas, c'est très contraignant, mais ça nous permet à nous, organisation, de savoir que quand on s'en va d'un endroit, tout est propre et tout est resté en l'état, mais ça nous permet aussi d'améliorer l'ensemble de ce que l'on met en place sur la manifestation, sur la partie environnementale. C'est une espèce de modèle, de proof of concept, je dirais. Voilà, elle démontre qu'on peut. On peut faire une course, on peut donner, avoir un esprit de compétition, mais qui a en même temps de la solidarité, qui a en même temps un respect pour l'environnement, un respect de l'autre, etc. Tu as créé une catégorie expérimentale électrique et hybride. Oui, c'est la suite, c'est la continuité, la catégorie gazelle. Et cette année, en 2018, la catégorie est ouverte et il y aura, je pense, une dizaine de véhicules électriques qui participeront à l'événement. C'est un défi à la COP22 avec le Prince Albert sur cette partie-là. Je lui avais dit que je voulais écrire un livre blanc sur les rallye raids et l'automobile parce que j'avais plein de sujets à mettre en avant pour qu'on puisse avoir des rallye raids propres. Et je lui avais demandé d'être président du comité qui créait ce livre blanc. Il n'avait pas le temps d'être président, mais il m'a dit « mais je vous mets au défi de la catégorie électrique l'année prochaine, c'est possible ?» Je dis banco, on va y aller. C'est un engagement très très important puisque ça faisait partie non seulement de la feuille de route que j'avais indiquée au gouvernement il y a quelques années, et puis aussi ça fait partie des directions qu'avait entrepris ma fondation dès ses débuts, de favoriser les énergies renouvelables, de favoriser la mobilité propre sur la principauté, et puis bien sûr de faire la promotion de ces énergies renouvelables au travers de différents événements. Cette catégorie électrique, maintenant, elle existe réellement, elle a vraiment une réalité et elle va grandir. Et je pense que c'était nécessaire. Du rallye, en véhicule électrique. On l'a fait. Est-ce que tu vas passer la main? Est-ce que tu vas continuer pendant encore 10 ans? Passer la main, je le passerai sûrement à ma fille, ça c'est certain. Elle est préparée, enfin, en tout cas je la prépare et puis elle se prépare. Il y a énormément de gens à qui j'ai à dire un grand merci. Ça serait jamais fait sans eux. Et je suis sûre que je vais en oublier des centaines. Pour le 30e anniversaire, on va faire une immense fête. Et j'espère que je vais arriver à réunir tous ces gens-là qui vont comprendre ce grand merci que j'ai à leur dire à travers l'invitation que je vais leur faire. Mais c'est incommensurable, on va dire. Tu ne peux pas créer 28 ans, c'est 28 ans. En 28 ans, il y a des centaines de personnes dont j'ai croisé le chemin qui, juste par une porte ouverte ou par un mot ou par un truc, m'ont aidé. Tu prends... les gazelles aussi, qui dans tous les débuts du rallye, sur différentes éditions, m'ont aidé parce qu'il y a des filles qui se sont accrochées avec moi, autant que moi, pour que ça soit là. Tous mes bénévoles, toute mon équipe extraordinaire. Il y a eu des partenaires marocains comme Myriam Ben Salah, Chekroun, qui est une femme extraordinaire, qui a fait le rallye, qui l'a gagné et qui est maintenant le patron des patrons au Maroc. Il y a eu des femmes marocaines qui, grâce au rallye aussi, ont changé de vie. Tu as des hommes marocains. On reprend Aïcha, M. De Vico, ou tu prends Younes El Mechafri de la MDGS qui croit vraiment dans le sport féminin. Puis tu as Sa Majesté, puisque... elle nous honore tous les ans. On est le seul rallye raid à avoir le droit de porter les armoiries du royaume et de mettre en avant ce pays pour bien montrer sa tolérance et son ouverture. Donc, tous ces merci, il y aurait une liste, je sais pas, ça me prendrait des heures de citer toutes ces personnes qui m'ont vraiment aidé et qui m'ont permis de renforcer l'événement, de faire en sorte qu'il existe encore. Tu reprends ton bâton ? Parce que là, tu as vécu, tu sais, tu connais toutes les galères. Est-ce qu'aujourd'hui, tu irais et tu dirais « Bonjour monsieur, j'organise un rallye féminin que pour des femmes et avec des voitures ». Oui, je pense que je le ferai. En sachant tout ce que je sais, je passerai peut-être plus facilement. Parce qu'il y avait aussi mon idéalisme, mon enthousiasme et puis ma crédulité. Peut-être que je suis plus armée aujourd'hui pour monter... enfin, pour repartir, oui, avec mon bâton pèlerin. Cadeaux, les obstacles, ils sont bien là et il faut bien calculer à chaque centimètre. Back at home what this rally is because nobody understands how hard this is. Rendez-vous dans 10 ans? Oui, rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous déjà pour les 30 ans, et puis après, rendez-vous dans 40 ans. Ouais.